sais que le temps, votre temps est précieux. Moi, je voulais vous remercier parce que il y a un an, vous avez plus que tenu avec des prouesses qui ont été faites, à l'automne aussi, avec un travail exceptionnel. Et c'est aussi parce que vous avez tous et toutes été mobilisés qu'on a pu tenir et que notre pays a été, même ceux qui a pu tenir, on était à un niveau assez haut de contamination, mais sans prendre les vagues qu'on nous annonçait, parce que nos concitoyens ont fait attention et ont respecté le couvre-feu, mais parce que aussi les équipes soignantes ont tenu et ont continué en permanence à traiter, à accueillir, à ranimer. Là, c'est vrai qu'on a une accélération qui est en ce moment très forte, et je voudrais qu'on en parle, et donc simplement vous dire qu'on sera là, et qu'on continuera de prendre les décisions comme on l'a fait depuis le début, qui sont des décisions pragmatiques, proportionnées, territorialisées, mais qui correspondent à la vie de l'épidémie, pour aussi protéger nos plus vulnérables et protéger les soignants. Mais merci infiniment pour tout ce qui a été fait depuis. Nous sommes et nous continuerons à être à vos côtés. Et on prendra les décisions qu'on doit prendre par rapport à ça.